Bonjour, chers apprenants. Je suis M. Samba Jean-Eudes, professeur d'histoire de géographie au secondaire. Notre leçon de la fois dernière a porté sur la coexistence pacifique, cette période qui s'étend de 1953 à 1962. Et à partir de l'année 1962, une autre période s'ouvre, celle de la détente. Donc, c'est cette période que nous allons voir aujourd'hui, donc de 1962 à 1975. Mais qu'est-ce qu'on entend par détente? Qu'est-ce que la détente? La détente, donc, qui s'étale de 1962 à 1975, s'est définie comme une période de rapprochement et de dialogue entre les États-Unis et l'URSS, caractérisée par la signature des accords politiques, économiques, militaires et diplomatiques afin d'éviter tout risque de conflit nucléaire. À quoi est due la détente? Donc, quelles sont les causes de la détente? Ici, d'abord, avant de voir ces causes, nous allons d'abord dire que notre leçon doit s'articuler au cours de deux points essentiels qui sont les causes de la détente et, d'autre part, les manifestations de cette détente. Mais d'abord, quelles sont les causes de la détente? À quoi est due la détente? Alors, c'est ça que nous allons voir maintenant. Donc, les causes de la détente. Les causes de la détente. Quelles sont les causes de la détente? Bien. À propos donc de ces causes, nous dirons que la détente résulte de deux principales causes qui sont donc d'abord l'épuisement des puissances dû à la course aux armements et les leçons tirées de la crise de Cuba. Voilà nos deux principales causes de la détente. Mais commençons d'abord par l'épuisement des puissances dû à la course aux armements. Donc, en quoi l'épuisement des puissances engendré par la course aux armements, n'est-ce pas, est-il à l'origine de la détente? Donc, c'est notre premier point. Nous allons épurer. L'épuisement des puissances. L'épuisement des puissances.
dû à la course aux armements. Donc, en quoi l'épuisement des puissances est-il à l'origine de la détente? Bien, à ce propos, nous allons dire que, au cours des années 1970, plutôt 1960 et 1970, les deux grands souffrent des difficultés socio-économiques dues principalement à la course aux armements. Donc, les USA, donc les États-Unis, ont de plus en plus de difficultés à financer une présence militaire mondiale. Parce qu'au cours des années 1960-1970, nous les verrons un peu plus loin dans les manifestations de la détente que les États-Unis ont surtout financé la guerre du Vietnam. Donc, cette guerre a entraîné, n'est-ce pas, plusieurs difficultés sur le plan socio-économique. L'URSS, de son côté, éprouve également des difficultés car la course aux armements empêche l'amélioration rapide du niveau de vie de la population soviétique, d'où l'assouplissement donc des relations entre les États-Unis et l'URSS. Ça, c'était pour l'épuisement des puissances dû à la course aux armements. Maintenant, en quoi les leçons tirées de la crise de Cuba ont amené les États-Unis et l'URSS dans la voie du rapprochement, dans la voie du dialogue, donc de la détente. Donc c'est ça que nous allons voir maintenant. Donc, les leçons tirées de la crise de Cuba. Les leçons tirées de la crise de Cuba. Bien, en 1962, une grave crise a opposé les États-Unis et l'URSS à propos des fusées soviétiques installées dans cette île. Et cette crise a failli entraîner le monde vers une troisième guerre. D'où, pour, n'est-ce pas, que une guerre nucléaire ne puisse éclater, les États-Unis et l'URSS, n'est-ce pas, étaient obligés de s'entendre. Donc, c'est ça que nous allons voir donc, dans cette partie. Donc, pour dire que la crise de Cuba a montré que la coexistence pacifique, n'est-ce pas, n'était pas suffisante pour maintenir la paix. Les deux grands doivent s'entendre pour éviter l'éclatement d'une guerre nucléaire. C'est pourquoi, en juin 1963, une ligne directe qu'on appelle le téléphone rouge donc le téléphone rouge est installé
installation du téléphone rouge, une ligne directe est installée entre la Maison Blanche, entre la Maison Blanche et le Kremlin. Ceci donc pour éviter, n'est-ce pas, des malentendus entre les deux grandes puissances, afin de prévoir, de prévenir plutôt une guerre nucléaire. Voilà donc les deux principales causes de la détente. Mais l'épuisement des puissances dû à la course aux armements et les leçons tirées de la crise de Cuba, n'est-ce pas, ont fait que les États-Unis et l'URSS puissent entrer dans la détente. Mais comment cette détente s'est-elle manifestée? Donc là, nous allons passer à notre deuxième grande partie, donc au grand 2, les manifestations de la détente. Donc, les manifestations de la détente Comment la détente s'est-elle manifestée? Quelles sont les manifestations de cette détente? C'est ça que nous allons voir dans cette partie. Bien, à propos des manifestations de la détente, nous allons dire que la détente s'est manifestée sur six points. Six points, à savoir, d'abord, les négociations. Les négociations sur la limitation. Les négociations sur la limitation des armements stratégiques. Les négociations sur la limitation des armements stratégiques. Il y a encore la signature des accords des accords politiques entre la RFA, la République fédérale allemande, et la Pologne. Là, nous sommes, je vais marquer l'année, là, nous sommes en 1970. Après 70, il y a eu également la signature des accords. Signature des accords
N'as-tu des accords entre les deux Allemagne et là, nous sommes en 1972, autre manifestation de la détente et l'entrée de la Chine, à l'ONU. Et là, nous sommes en 1971. L'entrée de la Chine à l'ONU a eu lieu en 1971. Nous y reviendrons. Peu après, nous avons le retrait des troupes américaines, retrait des troupes américaines du Vietnam. Là, nous sommes en 1973 et dernière manifestation de la détente, nous avons les accords d'Helsinki. Donc la signature des accords d'Helsinki. D'Helsinki. Là, nous sommes en 1975. Voilà donc les six manifestations de la détente. Je reprends. Nous avons d'abord les négociations sur la limitation des armements stratégiques. La signature des accords politiques entre la RFA et la Pologne, là nous sommes en 1970. La signature des accords entre les deux Allemagnes, là c'est en 1972. Ensuite, l'entrée de la Chine à l'ONU en 1971. Le retrait des troupes américaines du Vietnam en 1973. Et enfin, la signature des accords d'Helsinki en 1975. Bien, voilà donc les six manifestations de la détente. Bien, commençons par les négociations sur la limitation des armements stratégiques. À ce sujet, nous allons dire que la détente s'est manifestée par des négociations directes entre les États-Unis et l'URSS, ce qui a abouti à la signature, n'est-ce pas, des accords. Ainsi, pour maintenir leur domination mondiale, les États-Unis et l'URSS relancent les négociations, notamment sur la limitation des armements stratégiques. Le traité de Moscou, en août 1963,
le traité de Moscou en août 1963 interdit les essais nucléaires dans l'atmosphère et sous la mer. Celui, donc le traité de juillet, le traité de juillet 1968 interdit la prolifération des armes nucléaires. Et les accords, les accords SALT, ça veut dire stratégique armement limitation talks. Donc les accords SALT, ça veut dire Strategic Armament Limitation Talks, donc négociation sur la limitation des armements stratégiques en français, de mai 1972, limite les armements stratégiques au niveau déjà atteint. Les négociations sur la limitation des armements stratégiques ont conduit les États-Unis et l'URSS à signer le traité de Moscou en août 1963 et celui de juillet 1968 sur la non-prolifération des armements stratégiques et des accords, donc la signature des accords SALT 1 en mai 1972. Et après donc ces négociations, nous avons la signature des accords politiques entre la RFA et la Pologne. Là, nous sommes en 1970. Qu'est-ce qui se passe en 1970? Donc, à propos de la République fédérale allemande et la Pologne, nous avons, n'est-ce pas, un problème frontalier. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un problème de frontière entre la RFA et la Pologne. Mais à partir de 1969, le nouveau chancelier de la RFA, donc, qu'on appelle Willy Brandt, le chancelier de la République fédérale allemande, Willy Brandt, mène la politique d'ouverture à l'Est. Donc, semble détendre les relations entre la République fédérale allemande et les pays d'Europe de l'Est, tels que l'URSS et la Pologne. Donc, c'est cette politique qu'on appelle l'Ostpolitik, donc la politique d'ouverture à l'Est. Ainsi, il signe avec la Pologne un accord, en 1970 bien sûr, un accord de reconnaissance des frontières communes issues de la Deuxième Guerre mondiale. Et ici, on fait notamment allusion à la ligne Oder-Neisse. Donc la frontière entre
la République fédérale allemande et la Pologne. Donc, en 1970, la République fédérale allemande et la Pologne signent un accord de reconnaissance des frontières issues de la Deuxième Guerre mondiale, notamment la ligne Oder-Neisse qui marque la frontière entre ces deux pays. Toujours dans sa politique d'ouverture à l'Est, le chancelier Willy Brandt noue également des relations d'amitié avec l'autre Allemagne, avec la RDA, la République démocratique allemande. Ainsi, en 1972, les deux Allemagnes, donc la RFA et la RDA, se reconnaissent mutuellement, ce qui leur permet, n'est-ce pas, d'entrer à l'ONU. Là, nous sommes en 1973. Donc, les deux Allemagnes se reconnaissent mutuellement en 1972 avec l'ouverture des frontières entre ces deux pays et, n'est-ce pas, leur admission à l'ONU en 1973. Mais en ce qui concerne l'entrée de la Chine à l'ONU, ici, vous allez vous souvenir que pendant la guerre froide, notamment avec la victoire communiste en Chine, les États-Unis avaient refusé de reconnaître la Chine populaire. C'est donc la Chine nationaliste installée à Taïwan qui siégeait à l'ONU. La Chine nationaliste, donc, installée à Taïwan, qui siégeait à l'ONU. Mais ici, pendant la détente, donc, les États-Unis vont chercher à réintégrer la Chine au sein de cette organisation. C'est ainsi que le rapprochement sino-états-unien a abouti à l'admission de la Chine populaire à l'ONU, en lieu et place de Taïwan, reconnu comme une partie, une province de la Chine. Cependant, là, nous sommes maintenant au retrait des troupes américaines du Vietnam. Donc, je disais que cependant, toujours en Asie, là, nous sommes maintenant en Asie, les États-Unis s'étaient engagés à partir de 1965 dans la guerre du Vietnam aux côtés des Sud-Vietnamiens, aux côtés des Sud-Vietnamiens, mais en face de nombreuses dérives, n'est-ce pas, cet engagement a été mal accepté par une part importante de l'opinion américaine et internationale, d'où le retrait, n'est-ce pas, des troupes américaines du Vietnam en janvier 1973, suite aux accords de Paris, n'est-ce pas, de cette date, accord de Paris de janvier 1973.
1973. Ces accords, donc, ont permis aux troupes américaines de se retirer du Vietnam, mais ce retrait n'a pris fin qu'en mars de la même année, en mars 1973. Dernière manifestation, n'est-ce pas, de la détente, c'est la signature des accords d'Helsinki en 1975. Bien. À ce propos, donc, en 1975, nous avons la signature des accords d'Helsinki. Helsinki, là, nous sommes en Finlande, donc au nord de l'Europe. Ces accords sont signés à la suite de la conférence ouverte, n'est-ce pas, en 1973 sur la sécurité et la coopération en Europe. Cette conférence qui a connu la participation de 33 États européens, dans ces 33, y compris l'URSS, plus les États-Unis et le Canada, s'est soldé par les accords, n'est-ce pas, d'Helsinki 1975, qui consacrent l'inviolabilité des frontières européennes issues de la Deuxième Guerre mondiale, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la coopération économique et technologique en Europe. Donc, ces accords d'Helsinki marquent l'apogée de la détente. Donc, le sommet le plus élevé de la détente. Donc, là, nous sommes en 1975. En un mot, nous allons dire que la détente résulte de deux principales causes qui sont l'épuisement de puissance dû à la course aux armements et les leçons tirées de la crise de Cuba. Quant aux manifestations de cette détente, elles sont au nombre de 6. Nous avons les négociations sur la limitation des armements stratégiques, la signature des accords politiques entre la RFA et la Pologne en 1970, la signature des accords entre les deux Allemagnes en 1972, l'entrée de la Chine à l'ONU en 1971, le retrait des troupes américaines du Vietnam en 1973 et la signature des accords d'Helsinki en 1975. Toutefois, cette période, n'est-ce pas, n'exclut pas l'éclatement des crises. Donc, les crises de la détente feront l'objet de notre prochaine leçon. Donc, aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Mais avant de nous séparer, vous allez noter le sujet, n'est-ce pas, que vous devriez réfléchir. Voici donc ce sujet. C'est une dissertation d'histoire portant sur les manifestations de la détente dans les relations Est-Ouest de 1962 à 1975. Donc, vous devriez bâtir une introduction. Vous connaissez déjà la démarche. Il devrait avoir 4 éléments. D'abord, la présentation du sujet dans son contexte historique. Ensuite, l'annonce du sujet qui sera traité, la pose de la problématique. Et enfin, n'est-ce pas, l'annonce du plan de votre devoir. Sur ce, donc, à nous revoir à la prochaine séance. Merci pour votre attention.